En fait, c'était quand ton premier accident ? J'ai eu mon premier accident quand j'avais 4 ans. Et c'était passé quoi ? Je jouais près d'un pont et en dessous il y avait un lac. Et il y a un garçon dans la fête, il est venu, il m'a poussé avec son bâton sans le faire exprès et je suis tombée dans l'eau et j'arrivais pas à nager. T'es sérieuse, t'arrivais pas à nager ? Bah oui, en même temps j'avais que 4 ans. Bah à 4 ans, normalement tu sais nager. Hein. Bref, après, c'était passé quoi ? Bah j'ai réussi à me relever du pont. Mais mes vêtements, ils étaient mouillés. Alors j'ai mis les vêtements de rechange du garçon qui m'a poussée. Et mon père a pris mes vêtements et les a fait sécher à côté du barbecue. Mais il les avait mis trop près, alors il y avait des trous. Ah, le seul que t'as dû avoir. Bref, ça m'amuse. Vas-y, ciao. Ah, salut, ça va? Trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, mes parents ils m'ont laissé seule chez moi pour la première fois. Et tu vas faire quoi? Bah, je vais aller en ville. Mais t'es bête ou quoi? Comment ça je suis bête? Il faut organiser une fête. Une fête? Bah, une boum quoi. Je vois pas, non. Avec du coca, des pizzas et des bonbons. Ouais, avec des garçons aussi. Bah, pourquoi pas? Avec des slots, tu pourras danser et tout. Bah, oui, t'as tout pigé. Bah ouais, même pas, on ramasse, dégage. Pourquoi? Parce que tu serais la première à te cacher si un gars qui viendrait te demander à danser avec toi. Donc. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un gars qui a essayé de m'embrasser. C'est qui? J'ose pas te le dire. Mais c'est qui? Je suis vraiment gênée. Quoi, c'est mon frère qui a essayé de t'embrasser? Mais non. Mais c'est qui? On est entre filles. Entre filles, y a pas de secret. C'est ton mec. Mon mec? Mais comment t'as pu me faire ça? Mais c'est pas moi, c'est lui. Mais je croyais qu'on était amis. Mais puisque je te dis que je me suis pas laissé faire. Mais je me sens trahie. Mais puisque je te dis que... Mais c'est mon mec, pas le tien. Le tien? Celui qui a essayé d'embrasser toutes les filles. Le connard. C'est bête de se disputer pour ça. C'est notre première dispute. Viens. Je suis trop contente, on va aller au cinéma toutes les deux toutes seules. Ouais, j'avoue, on va trop s'amuser. T'as dit qu'on allait voir un film d'horreur? Bah oui. Pourquoi, si tu veux, on peut changer. Non, non, j'ai pas peur. C'est juste que j'ai dit à ma mère que j'allais voir un dessin animé. Mais c'est pas grave, elle le saura pas. Et tu penses que les loups-garous ça existe? Bah je sais pas. Les humains ça existe, les loups ça existe, alors pourquoi pas les loups-garous? De savoir que ça peut exister, ça me fait encore plus peur. Et du coup, je suis encore plus contente d'y aller. Ouais, mais c'est juste une théorie, hein. Je voulais juste pas te décevoir. Je savais que j'aurais dû me méfier. Oh, c'est bon, hein. Bah, les loups dans ce film, ils étaient pas méchants, ils étaient gentils. Ça va, hein. Et les gens, ils étaient pas terrorifiés. Ils jouaient et chantaient avec eux comme si ils étaient amis depuis toujours. Bah, t'as qu'à vérifier la séance la prochaine fois. Bah, vaudrait mieux, hein. Pas qu'on se trompe de film une deuxième fois. Ouais, le bon côté des choses, au moins on n'a pas menti à nos mères. Et en plus, il était bien ce film. La princesse de la vallée du bonheur. Au moins ce soir, tu vas pas faire de cauchemar. Bah, c'est pas moi qui me suis trompée de film, hein. Oh, c'est trop bien! Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la première fois que je vais prendre le bus. T'es sérieuse? T'as jamais pris le bus? Si, mais c'est la première fois que je vais la prendre seule. Mais tu vas pas prendre le bus toute seule, t'es avec nous. Fais pas semblant de pas comprendre ce que je te dis. Mais y a rien à comprendre, on va pas comprendre. Tu vas pas prendre le bus toute seule, tu vas le prendre avec nous. C'est la première fois que je vais aller en ville sans qu'il y ait ma mère pour me surveiller. Je t'explique, on va juste acheter des cahiers textes et pour faire des photos. Seulement, t'es sûre? Mais t'as cru qu'on allait aller sur la lune ou quoi? C'est peut-être un petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour moi, mon indépendance et mon autonomie. Ça va être terrible.
vous avez abusé là. Mais pourquoi tu dis ça? Oui, pourquoi? Parce que vous avez tout acheté sauf un cahier texte. Mais on a trompé les folles. Et les photos? Oh non, les photos. Oups. Ça va pas être un petit pas pour l'homme, mais ça va être un grand coup de pied dans les fesses. On va se faire tuer. Et privé de sorcier aussi. Et oui, adieu liberté et autonomie. Yeah.